Et bonjour à tous, c'est Yoshiaki et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test de Donkey Kong Country Returns. Alors attention, je vais vous avertir un truc, c'est que ce jeu, alors parce qu'après je vais entendre râler, mais je suis désolée, mais je vous le dis de l'avance, ce jeu ne m'a pas trop plu. Hein, je le répète, il ne m'a pas plu. Alors pourquoi ? Après, faites gaffe, hein, je dis qu'il ne m'a pas plu, ne confondez pas avec quand je dis qu'il est pourri, non, il n'est pas pourri, il est même plutôt bon. Mais moi, je n'ai pas aimé. Alors pourquoi ? Bah, la réponse, je l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, si vous avez suivi, eh bien tout simplement la difficulté, quoi. Le jeu, donc, qui est beaucoup de Twitters, il est hyper dur. À un moment, j'étais resté bloqué hyper longtemps, quoi, que j'ai dû utiliser les astuces, on peut dire, là, du jeu, et j'ai pas avancé beaucoup. Donc ensuite, moi, vu que je me débrouillais assez mal et que j'avais que 4 vies et que je n'avais pas de pièces bananes pour acheter des vies, bah, je me débrouillais comme un nul. Donc pendant ce temps-là, j'essaie de gagner les pièces bananes pour gagner beaucoup de vies. Là, vous voyez, j'en ai 70, je suis à 73% du jeu, et attention, là aussi, je n'ai pas terminé le jeu. Parce que j'ai trouvé tellement dur qu'à un moment j'avais relâché et que j'avais abandonné, quoi. Parce que en fait ce jeu, comparez-le. Je vais le comparer avec un autre jeu un peu incohérent, c'est les Schtroumpfs sur NES. Non, Super NES, pardon. Et bien en fait c'est à peu près la même difficulté, quoi. C'est hyper dur. Ouais, parce qu'en fait, Retro Studios, je crois qu'ils aiment bien nous saouler avec des jeux compliqués. Parce que pour Metroid, c'est pareil. Le jeu il est dur, mais il me plaît quand même un petit peu. Donc voilà, pour cette parenthèse, on va commencer tout de suite. Hein, mais attention, hein, je ne dis pas que le jeu est moisi. Hein, c'est juste que je n'ai pas aimé. Hein, parce que après, il faut dire, le jeu quand même, il est assez bon. Hein. Retro Studio, on a vu que il faisait des efforts. Donc, alors, on commence cette présentation. Alors, dans le jeu, on a 9 mondes. Alors, on va commencer du début. Hop, on commence dans la jungle que je vous avais fait... en vidéo découverte, ensuite la plage qui est vraiment pas mal, les ruines qui est bien, caverne ça commence à être dur, et c'est à partir de forêt que c'est devenu un carnage, falaise, usine, et le volcan, alors là je dis rien, regardez-moi ça, mais j'ai réussi aucun niveau quoi, j'en ai juste réussi un avec le rhinocéros, hein, mais c'est honteux, puis le temple d'or où il faut récupérer des sphères magiques qu'il faut... qu'on peut avoir dans des temples, je vais vous montrer, dans des temples comme ça, quand on a tous les lettres du mot Kong d'un monde. Donc ici j'ai réussi, dans le monde 2 aussi, mais après j'ai pas essayé plus loin. Donc voilà, après les pièces bananes, vous en voyez, là j'en ai 337, ça sert à acheter ce qu'on veut dans la cabane de Cranky Kong. Alors ici, là, on peut avoir des ballons, ce qui sert de vie. Alors le jus de banane, me suis fait un peu arnaquer parce que j'étais en colère quand je l'avais acheté. Parce que une, déjà, cette potion est temporaire. Mais en plus, je croyais que j'étais invincible, comme un Mario. C'est-à-dire, tu peux toucher n'importe quel ennemi, ça te fera rien. Mais non, c'est pas invincible, quoi. C'est-à-dire que quand tu touches un ennemi, tu perds du temps, quoi. Et en plus, vu que c'était un ennemi en hauteur, je suis tombé dans un trou, donc... Zoom, je prends plus jamais cette potion, je me suis bien fait arnaquer. Après, le cœur, ça nous sert à mettre une réserve en plus, ce qui servira beaucoup, car le jeu est très très dur, et ça sert. Ensuite, on a Squax, l'espèce de perroquet qui nous permet de trouver des pièces de puzzle. Alors après, si je ne sais pas qu'est-ce qu'on débloque quand on a toutes les pièces de puzzle d'un monde, mais je crois que c'est un petit bonus, quoi. Après, ça, à propos de bonus, tiens, on peut en débloquer dans les galeries et tout, que ce soit des images, diaporamas, et je ne sais plus trop quoi, d'ailleurs, j'ai pas regardé énormément. Alors là, on voit Cranky qui nous raconte des trucs. Alors moi, bien sûr, je n'aurais pas besoin de ce petit perroquet, mais tu n'es pas chez moi, n'est-ce pas? Non, tu n'es pas moi, n'est-ce pas? Ouais, alors ensuite, à propos des personnages, là, un truc décevant, quoi. Et dans Donkey Kong Country, ne me dites pas que je suis pas un connaisseur, mais... Je pense pas que ce Donkey Kong Country respecte vraiment Donkey Kong, car déjà, il y a beaucoup plus de personnages que ça, car on a que Donkey Kong, Diddy et Cranky, après il n'y a plus personne. Déjà, je sais qu'il y a un ennemi juré de Donkey Kong, c'est un crocodile qui s'appelle le King K. Rool.
Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup plus de personnages comme Diddy Kong, non pas Diddy Kong, Dixie Kong, sa sœur, Candy Kong, Funky Kong, et tout ça, ils sont passés où? Bah on sait pas, il n'y a plus personne. Alors, on les retrouve pas dans le jeu et ça c'est un peu déçu, disons. Hein, pourquoi on a que Cranky, quoi? Donc bon, au niveau des personnages, c'est dit, c'est un peu décevant, et puis aussi l'histoire, quoi. Là, je sais que dans les Donkey Kong Country, il y a le roi crocodile, là, avec tous ses sbires, disons, pas ses sbires, mais bon, enfin, les crocodiles à battre, quoi, et là, on a des espèces d'instruments de musique, de tambour, avec une ambiance musicale, disons, ouais, peut-être que ça peut être pas mal, mais bon, je trouve que ça respecte pas trop Donkey Kong Country. Enfin, bref, là, ça fait 6 minutes que je parle, et j'ai toujours pas commencé un niveau, donc, ouais, j'ai fait la présentation. De la cabane de Cranky d'ailleurs, je voulais pas montrer, mais il y a aussi une clé qu'on peut débloquer qui nous permettra de prendre un chemin alternatif dans un niveau et qui coûte 15 pièces bananes je crois ou 20. Alors après, je vais vous montrer un petit niveau, je sais pas, tiens, celui-là. Mais en fait le jeu en fait au début il est vraiment pas super compliqué, d'ailleurs ça va jusqu'au monde 4, ça va, c'est pas très dur, mais après à partir du monde 5 c'est le bazar. Ouais, j'ai eu du mal, hein, sinon au début c'est vrai que ça m'a bien plu, hein, parce que déjà regardez, mais graphiquement ça, mais faire une autre comparaison c'est que bah ça explose Super Mario New Super Mario Bros. Oui, regardez moi ça, mais si c'est pas joli, c'est énorme quoi ce que vous voyez là, et en plus c'est pas une boule, mais graphiquement, ça explose New Super Mario Bros. Oui, hein, je le dis. Alors après, parlons un peu de Donkey Kong. Donc, jouabilité, bah j'ai pas trop aimé. Bah pourquoi? Parce que regardez, Donkey Kong, tout ce qu'il peut faire, c'est sauter, rouler, marcher, attraper des choses, souffler et tambouriner. C'est tout. C'est-à-dire qu'il peut pas faire de double saut, car s'il l'avait pu faire, le jeu serait beaucoup plus facile. Et pour tuer les ennemis, bah il suffit de leur sauter dessus comme à la Mario. Oh purée. Voilà, donc assez souvent on gagnera des pièces bananes rapidement. Puis donc je parlais de Donkey Kong. Oui, parce que Donkey Kong il peut pas faire grand chose quoi, comparé à Mario, il a pas de pouvoir. Il peut pas faire de double saut. Ah génial. N'importe quoi. Et en fait pour que ce soit plus pratique, il faut qu'il ait Diddy. Bon, allez. Oh punaise Donc pour être rapide, quoi, il faut qu'il ait Diddy Kong. Donc allez, concentration. Aussi, quand on rebondit sur les ennemis, je vous l'ai pas dit, mais je trouve qu'il y a un problème de gestion des sauts, parce que quand on appuie pile au bon moment, ça rebondit pas hyper haut. En fait, il faut appuyer sur le bouton un peu plus tôt pour que ça fasse un super saut, disons. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais vous montrer. Là, il y a un ennemi. Je n'appuie pas sur le bouton A, mais si j'appuie pile au moment où j'atterris, il va rebondir normalement. Il y a comme ça. En revanche, si j'appuie un peu plus tôt sur... quand je saute sur l'ennemi, regardez... Là j'ai raté, on va faire sur le prochain ennemi. Et ben il va sauter plus haut. Regardez. Voilà, là j'ai fait un super saut. Donc là j'ai aussi eu un peu de problèmes sur les gestions des sauts au début. Après les lettres Kong, bah ça sert à débloquer des bonus et les temples, que je vais montrer tout à l'heure. Les bananes quand on le maçant, on débloque une vie. Oh putain. Et Diddy Kong, bah quand on est là en fait c'est plus pratique car il y a un jetpack derrière lui et ça permet d'aller de rester un peu plus longtemps dans les airs, ce qui est pratique. Mais bon Diddy Kong après faut trouver les tonneaux où il est à l'intérieur. Et ça c'est pas gagné. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Donc jouabilité, c'est ce que je disais, j'ai pas aimé. Alors après, scénario, c'est tout simple. Hein. Il suffit de remplacer Mario par Donkey Kong, de l'ennemi par... de Bowser par les instruments de musique, et de remplacer la princesse Peach par une banane. Bah oui, parce que vous avez vu dans la découverte, le but c'est de récupérer tous les bananes qu'a perdu Donkey Kong. Donc là, je sais qu'il y a un passage secret. Ah non, c'est pas là. Donc voilà. Scénario, il n'y a rien à dire. Alors là, tiens, c'est parfait. Là, on va voir le rideau qui est très pratique parce que quand on touche les ennemis, on est invincible. Mais en plus, il peut faire une accélération quand on donne un coup de Wiimote.
Car je rappelle, donc, je suis sur Wii. Non, d'ailleurs, c'est une exclusivité sur cette console. Hein. Je ne pense pas que Donkey Kong Country Returns est sorti sur une console. Hop. Donc, je disais, oui, le rideau, il est invincible. D'ailleurs, tant mieux, parce que vu que c'est ça va être très pratique dans le jeu, je vais pas en refuser. Hop. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que ça fait quand on a tous les lettres Kong. En fait, c'est un peu bidon, quoi, parce qu'au début, je pensais qu'on allait gagner une vie ou quelque chose, mais non, on gagne rien, c'est juste pour des bonus à débloquer et pour le temps que, pour récupérer les 8 sphères magiques. Donc après, là, on va être à la fin du niveau. Alors là, quand on saute au bon moment, on peut avoir un bonus. Donc là, je vais essayer d'aller sur des quais, il va falloir remuer la Wiimote très rapidement. Maintenant, 14, ouais. Donc, toutes les du mot Kong, au début, je pensais qu'on allait avoir une vie supplémentaire, un bonus, mais non, c'est tout. Un peu dommage, mais bon, c'est pas trop grave. Puis après, un autre gros point fort du jeu, c'est que, comme les graphismes, les musiques, waouh! Les musiques, ça explose aussi Super Mario Bros. Wii. Ça explose. Parce que, après, j'ai appris que, bon, toutes les musiques, apparemment, sont des remixes. Bon, j'ai envie de dire un peu en simplicité. Mais c'est... Je regrette pas, parce qu'après, je vais vous montrer un niveau où la musique m'a vraiment marqué, mais où elle sera écoutée, mais c'est merveilleux, quoi. Je vous ferai écouter, mais d'abord, un petit boss. Alors, pouvez-vous parler un peu des boss? Alors, là aussi, c'est pareil, au début, c'est hyper facile. D'ailleurs, faudra m'expliquer pourquoi on a foutu des boss aussi faciles, car les trois premiers, je les ai battus du premier coup. Et ensuite, ça a devenu beaucoup plus dur. À partir du monde 6, j'ai eu du mal. En fait, qui est le même boss qu'on va battre, mais en plus fort. Le monde 7, on a une espèce de robot contrôlé par un oiseau. Et l'8, j'en parle pas parce qu'il est hyper dur. Donc celui-là, premier boss, hyper facile. Oh mon dieu, il bouffe les bananes de Donkey Kong. Faut faire quelque chose. Ouais, ok, je sais, scénario c'est un peu bidon. Donc en fait voilà, on va devoir casser la figure, c'est un instrument de musique qui hypnotise tous les animaux. Et voilà. Alors aussi, un truc agaçant dans les boss que je vais vous montrer. Alors là, il faut toucher sur son dos, ça c'est facile, hop, voilà. Un truc souvent, c'est que quand il nous touche, j'aime pas le public là qui encourage l'autre, là, donc dire c'est énervant quoi. Du genre, t'as pas d'encouragement, tu me dis, ouais, donc Kong il sert à rien, c'est tout, ouais. C'est un peu n'importe quoi, ouais. Alors après, lui, assez facile à battre, non, je pense que je vais battre du premier coup, bah, il est hyper facile, on va dire, je ne peux pas perdre, j'ai jamais perdu contre ce boss. Même s'il a plusieurs formes, là c'est sa deuxième. Troisième forme. Ou là il est pas content le coucou. Il est pas content. C'est même pas un chien. Il est pas content le bonhomme. Donc c'est ce que je vous ai dit, il est hyper simple à battre. Hop. Hop. Allez, dernière fois. C'est bon. Alors. Après, c'est vrai que dans Donkey Kong Country, il y a un petit côté humoristique, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, le truc qui me plaît pas, bah, c'est la difficulté, quoi. J'ai trouvé hyper dur. Et surtout, je vous dis, c'est pas une blague. Hein. Voilà, je vais prendre un niveau hasard, et vous allez voir. Alors là, faut taper. Hop, c'est bon. Allez, rentre chez toi. Ouais, bah, je vais vous montrer un niveau hasard hyper dur que j'ai trouvé. Et vous allez voir, mais c'est, j'ai envie de dire, mais c'est quoi cette difficulté de ouf, quoi. Mais surtout, je blague pas, hein. Je vais essayer de jouer du mieux possible, mais bon. Après, j'ai envie de dire, dans ce jeu, quand on a beaucoup de vie, du genre, là, j'en ai 72, j'ai fait exprès pour la vidéo. Et je me suis dit, ouais, c'est simple, hein, on arrive au bout d'un moment, mais... Même quand on avait 10 vies, quoi, c'est ce que j'avais fait un moment, avec les caisses qui me restaient. Et ben tu les perds tous, quoi, parce que, généralement, dans un niveau qui bloque, tu réessayes... 5-6 fois tu y arrives, 10 large,
plus là, mais après c'était 20 fois quoi, j'essayais 20 fois, j'y arrivais pas, plus j'y arrivais pas, donc le niveau casse-tête que j'ai, qui m'a pris la tête, c'est celui-là, qui est hyper dur, tiens d'ailleurs je vais essayer, mais je vous garantis, je vais pas réussir du premier coup, tandis que le deuxième temple, il est beaucoup plus facile, donc il y a aussi un petit problème de difficulté, j'ai envie de dire. Donc ce niveau, il m'a gavé, vous allez comprendre pourquoi. Et je vous le dis sûr, mais pas y réussir du premier coup, sinon j'ai un coup de maître. Ouais, mais j'ai essayé plein de fois, donc je commence à bien le connaître. Alors, en fait, c'est-à-dire que quand on marche sur le sol, et bah il tombe quoi. Donc là j'en profite pour récupérer des pièces bananes. Ouais. Surtout que quand on a. Vu que dans ce niveau, normalement, on ne doit pas avoir Didi. On peut faire ça tout seul en Monkey Kong. Et le réussir le. Au bout de je sais pas combien de fois, j'ai envie de dire c'est un exploit. Hop, hop. Ouais, ben, c'est hyper dur ce niveau, je me dis. Là, il y a trois parties. Là, j'ai terminé la première. Deuxième. Hop. Hop. Je me concentre un peu parce que. Je vais vous faire un peu découvrir ce que c'est Donkey Kong Country réellement. Ouais, bon, j'ai oublié de sauter, bon, c'est pas grave, vous avez vu, là, et en plus, ça, c'est que le début, hein, la suite, à la fin, ça devient super dur. Carrément impossible, hein, j'ai envie de dire. Hein? Et là, j'avais eu un coup de miracle, j'étais content quand j'avais terminé ce niveau, et, je me suis dit, enfin, j'ai terminé, enfin. Ouais. Mais après, hein, vous inquiétez pas, hein, je le répète encore une fois, mais ce jeu, je le trouve... je l'ai pas aimé, mais il est bon, j'ai envie de dire. Hein, il est bon, parce que... faut voir les efforts que Retro Studio a fait. Hein, parce que... quand on voit un jeu graphiquement si beau, avec des super musiques remixées, j'ai envie de dire, on a de quoi être content, parce que... là, c'est de sérieux efforts, quoi. Et puis en plus, j'allais vous parler de l'ambiance, mais bon, c'est un peu bizarre parce que on passe de la jungle à la plage, des ruines aux cavernes, des cavernes aux je sais plus quoi, à la forêt, je crois. Ensuite, dans des falaises, après, on va dans une usine. Alors, Donkey Kong dans une usine, je trouve que ça ne fait pas trop. Mais bon, passons. Et puis, ensuite. Après dans un volcan ça devient super dur, c'est quasiment impossible. Mais un jour j'essaierai de le terminer comme parcours du combattant. Et le jour où j'y arrive, je serai vraiment content parce que ce jeu est tellement dur que faut un miracle pour réussir. Donc là je me débrouille pas trop mal, bah, surtout pour la première partie quoi, c'était bien. Au début. Hop. 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 C'est super dur. Attention là pour faire gaffe. Olé. Voilà, il y a de la skill. S'il n'y a pas de la skill ici. Voilà, ça devient dur. Alors là, allez, deuxième partie. Hop. Alors là je vais pas y arriver, c'est hyper dur. Ah punaise. Bon, c'est pas grave, on quitte ce niveau. Ce niveau hyper dur. Ouais, mais celui-là, j'avais réussi au bout de je sais pas combien de fois, au bout de 30 fois, 40 fois. Donc, hyper dur. Alors ensuite, je vais vous montrer un autre niveau qui m'a marqué. Enfin, un style graphique. C'est celui-là. D'ailleurs, il y en a plusieurs, mais pas beaucoup. Il y en a 3 ou 4. Alors, j'allais regarder ça, mais je vous dis, mais c'est merveilleux, quoi. Là, c'est merveilleux. Alors, regardez-moi ça. Et graphiquement, ça pète, quoi. C'est fait avec de... j'appellerais ça de l'encre de Chine. Ouais. Ouais, mais c'est super beau ce que vous voyez là, attends. C'est hallucinant. Là, on est sur un décor de soleil se couchant. Là, c'est tout en noir. Devant et derrière, il y a de la couleur, mais j'ai envie de dire, c'est énorme ce que vous voyez là. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'on a que quelques niveaux comme ça. On en a 3 ou 4 faciles, même si... faut faire gaffe aux apparences entre le noir et de ce qu'il y a. Alors après, dans Donkey Kong Country, pour trouver des pièces de puzzle, ça me fait un peu penser à Banjo-Kazooie. Et B.
bien, en fait, ils sont super bien cachés. Il faut, bien se les torcher, disons, si je me permets. Parce qu'ils sont bien planqués, il y a plein de passages secrets. Comme là, j'en ai trouvé un, il fallait rester assez longtemps sur la plateforme pour qu'ils descendent. Hop, voilà. Donc on va speed un peu. Ouais, bah ensuite, musique c'est vraiment pas mal, même si la plupart des niveaux c'est la même chose, mais... voilà, ça pour moi ça reste un bon jeu d'idée. Simplement aussi. Je vais pas dire un jeu extraordinaire, je vais pas dire un jeu... Voilà, un bon jeu, tout simplement. Hein. Hein. Mais, je vous le rappelle, il ne va pas plus être principal. Je vais faire gaffe entre ce qui ne me plaît pas et de ce qui est beau. Donc là, je vais essayer de faire des cas. Maintenant. Hop, 15. Je crois que c'est le plus qu'on peut faire. Qu'on frappe. Ouf. Aussi, le truc agaçant, c'est que des fois, pour trouver passage secret, il faut tambouriner tous les 3 secondes. Mais c'est assez souvent, je veux dire. Parce que, je veux dire, j'ai pas envie de m'amuser à tambouriner. Toc, 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 toc. Tous les 5 minutes, quoi. Parce que au bout d'un moment, je suis crevé. Et voilà, quoi. Alors après... Vous n'avez pas parlé aussi du mode chrono qui est super dur en fait, faut le terminer à niveau dans un temps limité, je crois que j'en ai pas réussi beaucoup. J'ai réussi celui-là en mode avec la médaille d'or. Je crois que j'ai réussi le premier niveau. Oui. Donc ouais, à la plage. Et là, je vais vous montrer le niveau qui m'a marqué. Celui-là. Mais écoutez-moi cette musique, mais là, je crois que c'est la meilleure du jeu, mais c'est marquant. Mais oui, il va falloir que je passe un peu le début du niveau. Puis après, je vais écouter ça. Alors après, je réfléchissais. Il y a une chose que j'ai oublié de vous parler, c'est de certains types de niveaux. Parce que des fois, on ne sera pas toujours en plateforme 2D comme ça, à faire le Mario. Non, il y a aussi différents niveaux. C'est-à-dire, par exemple, on sera sur un chariot à un moment. Des fois, on sera sur une fusée, carrément. Bon, après, il y aura des niveaux où il y a un tsunami dans ce monde. Il y a aussi un niveau où il y a un calamar géant. Alors là, regardez. Attention. Écoutez-moi cette musique, peut-être. Cette ambiance aquatique, mais ça m'a marqué dans le jeu. Quand j'avais vu ça la première fois, je me suis dit mon dieu, mais c'est un excellent jeu. Mais après, mon estime s'est un peu redescendu à cause de la difficulté. Et la musique que vous entendez, l'ambiance marin, mais j'ai envie de dire, c'est un truc de fou, quoi. C'est énorme, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez déjà trouvé une musique plus belle que ça? Bon, j'ai envie de dire, oui, il y en a plein qui ont marqué. T'as du genre la musique de Tomb Raider, le thème principal, t'as la musique de Castlevania 4, t'as la musique de je sais pas quoi, mais plein. Mais cette ambiance sonore, mais c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, c'est énorme, quoi. D'ailleurs, je sais pas si c'est le même orchestre que ceux qui ont fait... Non, j'allais dire une bêtise, là, que ceux qui ont fait Super Mario Galaxy, je pense pas, donc... Mais c'est vrai que ce qu'on voit là, c'est assez épatant. Donc là, je vais essayer de terminer le niveau, puis on s'arrêtera là. Donc je vous aurais fait un peu le test du Donkey Kong Country. Mais avant de vous quitter, je vais vous parler d'un autre truc, d'une petite surprise à la Yoshi. Et ouais, parce que le Yoshi, il a tout prévu, hein. C'est-à-dire que prochainement, je vais essayer de faire un petit défi. Pourquoi un défi? Bah, c'est-à-dire que je vais essayer de terminer les niveaux que j'ai pas réussi dans Donkey Kong Country pour voir si je me suis trompé dans le jeu, si il me rend vraiment trop compliqué, si... normalement, je pense pas que je me suis trompé, mais si il est vraiment trop compliqué, je vais vérifier ça. Donc, je vais terminer tous les niveaux que j'ai pas réussi. En particulier, c'est le monde 6, 7 et 8. Je vais me lancer en défi. Et puis à la fin, je me lancerai le verdict complet pour voir si Donkey Kong Country est vraiment un jeu qui éclate, parce que vous voyez des notes 18,
18, 19 dans certains sites, mais je me suis dit peut-être pas trop quand même. Et ce qui est bizarre, c'est que personne ne me dit, même dans les autres tests que j'avais vus, personne ne parle de la difficulté. Je trouve ça bizarre. J'ai envie de dire, moi, on m'a déjà vu jouer. Bon, c'est vrai, j'ai eu des plantages, c'est-à-dire que je jouais mal des fois, mais moi, je joue plutôt bien à certains jeux. C'est-à-dire que vous prenez un Mario pour moi, je ne perds quasiment jamais, quoi. Ouais, je parle en particulier des Mario Galaxy, là, je suis un produit pro. Donc, je vais vérifier ça. Et quand même, ce serait étonnant que je dise le contraire, mais... Il n'y a rien à jouer, hein. Je peux peut-être dire le contraire. Hein. Mais bon... Après, j'aimerais bien avoir aussi votre avis pour ceux qui ont joué à ce jeu. Est-ce que c'est vraiment un jeu compliqué, quoi? Parce que s'il n'y a qu'une personne sur 10 qui me répondent, ah bon, je le trouvais compliqué, moi aussi, mais je vais me poser des questions là. Ouais. Après, au niveau des niveaux, il y a vraiment de bonnes idées, comme ce type de niveau là, on est sur un cachalot. Ouais, mais il y a vraiment de bonnes idées, quoi. On peut dire que Retro Studio a fait du progrès. Et j'ai envie de dire à l'avenir, si vous faites des jeux facile, quoi, parce que sur un niveau où depuis le début, parce que sur Metroid c'est pareil, je perds, il regarde, et puis j'ai obligé de tout recommencer parce qu'il n'y avait pas de point de sauvegarde. Et ça, c'était saoulant, ça m'est arrivé deux fois sur le truc dans Metroid. Enfin bref, on va s'arrêter là. Donc la surprise, je vous l'ai dit, prochainement je vais faire un défi sur ce jeu pour terminer les niveaux que j'ai pas réussi. Je crois qu'il doit y en avoir une quinzaine. Et voilà. Donc ensuite, comme on me l'a dit, je vais faire un peu plus de pub ce coup-ci. C'est-à-dire que n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît un minimum. Vous ne le regretterez pas. Alors, surtout que vous allez être récompensé comme à chaque abonné. Je ferai un jeu que vous voudrez, de la catégorie que vous voudrez, pour chaque abonné. Et bref, ensuite... vous pouvez aller voir la chaîne de Cartoon 06000, mon partenaire, qui est un super testeur, qui a d'ailleurs atteint ses 200 abonnés. Et d'ailleurs, prochainement aussi, il va organiser un championnat Mario Kart, mais qui sera posté avant cette vidéo, ce qui est pas un peu illogique, mais bon, c'est pas grave, je vous ai spoilé. Car celle-là, elle sera postée dans 2 semaines, alors qu'il est. Et puis ensuite, pour la musique... d'un autre compte, vous pouvez aller voir la chaîne des Rokanaki, qui font de la musique vraiment pas mal. Un groupe de jeunes dont je suis le manager. Donc je vous invite à voir leur chaîne. D'ailleurs, j'ai posté des nouvelles vidéos il n'y a pas très longtemps pour leur compte. Et puis, bref, alors voilà ce qu'il y en est pour un pub. Donc on va s'arrêter là. C'était la vidéo test de Donkey Kong Country Returns. Un jeu tout simplement bon, j'ajouterai pas plus. Et puis je vous dis bye bye, à la prochaine, et surtout, amusez-vous bien !